que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je compte vous parler du rapport de stage et de la soutenance de stage parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui peuvent se poser des questions sur comment on rédige un rapport de stage, comment on peut faire une soutenance, qu'est-ce qu'on doit y mettre, etc. Et du coup, je me suis dit ça serait cool comme sujet de vidéo, ça pourrait grave aider énormément de personnes et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Cette vidéo pourra être postée en deux parties différentes, une partie sur le rapport de stage et une partie sur la soutenance de stage. Déjà ça fera pas trop long et en plus s'il y en a qui veulent pas trop regarder la partie rapport, ils peuvent directement aller sur la partie soutenance et vice versa. Et du coup voilà, sans plus attendre, on commence la vidéo. Du coup, on va commencer avec le rapport de stage. Alors, il faut savoir que quand vous faites un stage en entreprise, vous êtes obligé de rendre à l'université, à votre encadrant universitaire, un rapport de stage. Sauf que ce rapport de stage, vous n'allez pas faire n'importe quoi dedans. Vous devez suivre quelques règles super précises pour rendre un rapport de stage dans les règles, on va dire. Et du coup, je vais vous présenter les points essentiels en différentes étapes. Alors, la première étape, c'est la page de garde. La page de garde, je vais essayer de vous mettre la page de garde qui est ici. Mais en gros, la page de garde doit avoir plusieurs éléments essentiels. Par exemple, les logos. Vous êtes obligé de mettre le logo de votre université et le logo de l'entreprise sur votre page de garde. Ensuite, vous devez mettre le titre en grand. Donc, c'est comme quoi c'est un rapport de stage. Moi, c'était un stage d'application industrielle. Bon, ça peut être n'importe quel stage. Ça dépend de votre université. Et ensuite, vous mettez le sujet du stage. Juste en dessous ou à côté, ou ça dépend de votre façon de faire. Mais en gros, vous devez mettre le sujet de stage sur votre page de garde. Ensuite, vous mettez votre nom et votre prénom et la durée du stage. C'est obligatoire. Ensuite, vous devez mettre du coup votre tuteur en entreprise et votre tuteur au sein de votre université. Et enfin, l'adresse de votre entreprise et l'adresse de votre université. Ce sont vraiment les éléments essentiels à mettre sur la page de garde. C'est obligé. Bien sûr, vous pouvez mettre votre touche personnelle. N'hésitez pas à jouer avec les couleurs. N'hésitez pas à mettre un petit peu des formes et tout. Mais ça doit rester simple et professionnel. Je vous déconseille de mettre les couleurs de l'arc-en-ciel sur votre page de garde. Essayez de mettre du bleu ou bien du vert ou bien du rouge. Évitez les couleurs trop flashy non plus parce que ça doit rester professionnel. Moi, personnellement, je choisis le bleu parce qu'il y a un code couleur en gros. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais en gros... le bleu, ça montre que vous êtes quelqu'un d'organisé. Le rouge, quelqu'un de dynamique. Le vert, plutôt quelqu'un d'apaisé. Enfin, ça dépend de la couleur que vous choisissez. Et puis, chaque couleur que vous choisissez vous définit un peu. Moi, mon but, c'est de montrer que je suis organisée. Mais c'est pour ça que j'ai choisi le bleu. Ensuite, après la page de garde, on passe au sommaire. Donc, le sommaire dépend de votre sujet, bien évidemment. Sauf que les premiers éléments et les derniers éléments, c'est les mêmes partout. Par exemple, vous allez tous mettre les remerciements au début. Ensuite, vous allez tous avoir la liste des tableaux et des figures. Ensuite, vous allez tous avoir une introduction. C'est obligé. Ensuite, vous allez tous avoir comme première partie présentation de l'entreprise. Et ensuite, donc les parties d'après, ça dépend de votre sujet. Donc vous pouvez avoir autant de parties que vous voulez en fonction de votre objectif. Et à la fin, vous êtes obligé de mettre une conclusion et la bibliographie. Donc les parties que je vous ai dit, ce sont vraiment des parties à faire, obligatoirement. Donc c'est déjà au moins, vous avez une première base et ensuite tout dépend de votre sujet. Donc ça c'était le sommaire. Maintenant on passe aux remerciements. Alors les remerciements, vous devez remercier votre encadrant de stage, vous devez remercier les personnes qui vous ont aidé tout au long du stage, votre encadrant au niveau de l'université et puis si vous pensez que c'est nécessaire, les professeurs qui ont pu vous donner une valeur ajoutée sur ce stage-là. Donc en fait moi par exemple j'ai commencé par remercier mon encadrant de stage, puis j'ai remercié quelques personnes qui ont été là pour moi tout au long du stage, ensuite mon encadrant universitaire et les professeurs qui m'ont aidé et bien évidemment à la fin je rajoute un paragraphe tout le temps pour remercier tout le corps professoral de ce qu'ils m'ont appris tout au long de ma formation. Et à la fin je finis avec une petite phrase sympa dans laquelle je mets qu'ils puissent trouver dans ce travail le témoignage de ma sincère gratitude et de mon profond respect. Il y a plusieurs phrases à mettre à la fin, vous choisissez celle qui vous paraît la meilleure et puis vous la mettez à la fin. Voilà, donc les remerciements, ça ne doit pas dépasser une page. Déjà que moi les miennes sont assez longs, donc les miennes sont assez longs. Déjà que les miens sont assez longs, je pense qu'une page, ça devrait être suffisant. Ensuite,
vous avez la liste des tableaux et la liste des figures. Alors la liste des tableaux et des figures, c'est pas une liste que vous allez devoir écrire de A à Z. Il y a moyen de la générer automatiquement. Donc quand vous allez faire votre rapport et que vous allez mettre des images et des tableaux, vous allez à chaque fois mettre un titre en dessous de chaque image, de chaque tableau. Donc pour faire ça, vous allez mettre référence, insérer légende, et puis vous allez insérer donc la figure, soit c'est une figure, soit c'est un tableau, vous insérez le titre, et ensuite quand vous allez aller sur la page, la liste des tableaux et des figures, vous mettez référence, attendez je vais regarder quand même, j'ai pas envie de dire des bêtises, si mon PC veut bien, donc normalement vous mettez référence, voilà, référence, insérer une table des illustrations, et quand vous cliquez ici, vous allez mettre les figures OK, puis vous mettez les tableaux OK, et là vous avez une liste qui se génère automatiquement. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, on va passer à l'introduction. Alors vous devez toujours commencer par une introduction, et l'introduction doit être super bien travaillée, parce qu'en général, les professeurs ne vont pas lire tout votre rapport. Dites-vous qu'ils ont énormément de rapports à lire. Donc, ils vont plutôt lire l'introduction, feuilleter rapidement tout votre rapport et relire votre conclusion. Donc, vous devez vraiment réussir l'introduction et la conclusion, parce que c'est la phrase d'accroche, on va dire. Et la conclusion, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc, vous devez toujours faire en sorte que ce soit parfait. Dans l'introduction, vous devez commencer par parler de l'industrie dans laquelle vous êtes. Par exemple, moi, je suis dans une société de distribution pharmaceutique. Donc, je parle de l'industrie pharmaceutique au sein du Maroc. Je fais une petite histoire rapidement. Oui, ça a commencé telle date, etc., etc. Ensuite, vous allez parler de l'entreprise dans laquelle vous êtes, donc Soremed est une société de distribution, nanana. Ensuite, j'ai fait une introduction sur tout ce qui est qualité, maintenance préventive, etc., parce que c'est mon sujet, donc vous devez aussi introduire votre sujet en expliquant, par exemple, que si vous devez concevoir un truc ou je sais pas quoi, vous dites que le besoin en machin est assez récurrent au sein de cette industrie, ce genre de truc. Bref, une introduction qui résume un peu où vous êtes, qu'est-ce que vous allez faire. C'est vraiment ça. Et à la fin, n'hésitez pas à mettre votre objectif en gras. Moi, c'est ce que j'ai fait à la fin. J'ai fait une petite phrase. J'ai écrit « Ensuite, je répondrai au sujet de mon stage, qui est mettre en place une maintenance préventive des équipements et des locaux au sein du site Soremed. » Donc là, au moins, mon encadrant, quand il va lire mon introduction, il va directement savoir de quoi mon rapport va parler. Il ne sera pas perdu. Et ça, c'est super important. Ensuite, vous avez la première partie de la présentation de l'entreprise. La présentation de l'entreprise, vous devez mettre. Donc déjà, vous commencez par mettre une phrase en mode « Machin a été créé en telle année par telle personne, voilà le chiffre d'affaires, voilà l'évolution, on est passé de ça à ça. » Enfin, on fait un peu l'éloge de l'entreprise tout en présentant son histoire. Et ensuite, vous mettez ce qu'on appelle la fiche signalétique. Normalement, la fiche signalétique et déjà au sein de l'université, mais je vais vous dire en gros qu'est-ce qu'il y a. Donc raison sociale, c'est le nom, forum juridique, donc quelle est la forme juridique de votre entreprise, date de création, secteur d'activité, la taille, l'effectif personnel, l'adresse et le téléphone et le fax. C'est la fiche signalétique de toutes les entreprises, il y a toujours ces informations là, donc vous la mettez, c'est un tableau qui doit figurer dans votre rapport de stage. Ensuite, vous mettez un petit schéma qui explique qu'est-ce que fait votre entreprise. Donc, par exemple, moi, c'est une distribution pharmaceutique. Donc, j'ai mis le cheminement, voilà, et quelles sont les étapes qui suivent pour pouvoir faire cette distribution. Et ensuite, vous mettez la hiérarchie, donc l'organigramme, pour qu'ils voient un peu quels sont les différents services. Moi, j'ai rajouté une partie où je décris un peu les services. Donc, quand je dis vraiment je décris un peu, c'est vraiment un peu. Chaque service, je dépasse pas 5 lignes. J'essaye de faire un minimum possible parce que non, ça, c'est pas mon sujet. Mais j'ai quand même fait une description de tous les services. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire si vous avez la possibilité de le faire. Donc ça, c'était la partie présentation de l'entreprise. N'en faites pas trop de blabla, allez dans l'essentiel. Ensuite, vous commencez votre rapport de stage. Ici, je vais vous donner quelques conseils. Ce que vous écrivez, ce n'est pas une histoire, c'est un projet. Donc en fait, c'est comme si, dites-vous que la personne qui va lire votre rapport de stage va essayer de comprendre, c'est comme un cours en fait, va essayer de comprendre comment vous avez fait pour trouver les réponses ou les résultats à la fin. Donc en fait, par exemple, si vous commencez par une première étape qui est un brainstorming ou un benchmarking, donc vous mettez grand un benchmarking et puis vous mettez un tableau avec les informations, avec une petite phrase pour expliquer c'est quoi le tableau. Mais c'est pas un journal intime, c'est pas en mode jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, voilà ce que j'ai fait, non. C'est vraiment en mode quelles sont les différentes étapes
que vous avez effectuées, mais pas tous les jours, pour répondre à la problématique. Donc par exemple, moi, l'étude de faisabilité, elle a duré je ne sais pas combien de temps, mais c'est ma première partie. Je n'ai pas décrit chaque jour ce que j'ai fait. Donc ça, c'est super important. Et ne mettez pas de « je vais ensuite vous parler ». Non, c'est un rapport professionnel. Vous devez écrire « suite à une étude de faisabilité ». Il a été remarqué que. Voilà, c'est pas j'ai remarqué, j'ai vu, donc j'ai fait après. Non, faut jamais être personnel dans le rapport de stage. Ça doit toujours être professionnel et impersonnel. Tout le temps. Donc voilà, ça ce sont les petits conseils que je vous donne sur tout ce qui est la partie donc, de votre cheminement. Ensuite, maintenant je vais vous parler de la conclusion. Alors, dans la conclusion, vous devez remettre les différents chemins que vous avez choisis pour pouvoir répondre à la problématique en mettant en une seule phrase à chaque fois le résultat obtenu. Je m'explique. Donc là, j'ai commencé par un premier paragraphe en expliquant que l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui a vraiment besoin de cette maintenance préventive. Ensuite, j'ai mis la mise en place de ces procédures a eu besoin d'abord d'une étude de faisabilité qui m'a montré que tatati tatata. Par la suite, l'étude de coût m'a montré que tatati tatata. Par la suite, la mise en place des procédures, nanana. Donc là, en fait, vraiment, c'est j'explique en quelques phrases tous les résultats que j'ai eu de A à Z en un paragraphe. Là, c'est vraiment quand l'encadrant doit lire la conclusion, il va comprendre sans forcément lire votre rapport. Donc vraiment présenter les étapes et les résultats en un seul paragraphe tout en étant clair et précis. C'est le secret pour réussir une conclusion. À la fin de la conclusion, vous commencez à devenir personnel. Et ce n'est qu'à ce moment-là que vous devenez personnel. En fait, vous devez mettre une paragraphe. Je suis fatiguée. Vous devez mettre un paragraphe dans lequel vous allez dire en quoi ce stage vous a aidé. En quoi ce stage vous a aidé pour votre avenir. Donc par exemple, moi j'ai dit que ce stage m'a permis d'en apprendre plus sur la maintenance et m'a permis de savoir que je voulais vraiment continuer mes études d'ingénieur industriel et que maintenant ce que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est de découvrir la partie production. Parce que je vous explique, j'ai pas beaucoup aimé la maintenance. Donc je sais que je veux pas aller dans la maintenance, mais j'essaie de pas être négative dans le rapport de stage parce que ça fait toujours en mode « oh putain, elle est négative », tu vois. Genre, il faut toujours être positif en disant « ouais, j'ai découvert, j'ai appris énormément de choses, mais maintenant je sais que j'ai envie de faire ça plus tard, ça plus tard, ça plus tard ». Ça montre que ce stage, ben, il vous a pas servi à rien en fait, et que vous avez réfléchi, et que ça vous a permis de vous remettre en question, et c'est super important. Ensuite, vous avez la bibliographie, donc là je l'ai même pas terminée. Et à la fin, les annexes. Donc les annexes, moi personnellement, j'ai mis les annexes de ma gestion de projet. Donc là, je ne vais pas en parler parce que je pense que ça devrait être le sujet d'une autre vidéo, comment faire une gestion de projet. Mais en gros, moi, en annexe pour le moment, j'ai mis que la gestion de projet. Je ne sais pas encore si je vais mettre d'autres trucs, mais en gros, les annexes, c'est si vous avez des super gros calculs pour des dimensionnements ou par exemple, si vous êtes en informatique, vous devez mettre des super gros codes ou par exemple, vous êtes en commerce ou je ne sais pas quoi et vous avez des trucs super longs à mettre qui sont un peu chiants à lire, bah, c'est des choses à mettre en annexe parce que les annexes, c'est pas obligé de les lire. C'est des suppléments. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose et que vous avez mis entre parenthèses, voire annexe, machin, là, vous allez en annexe et si la personne a envie de lire, elle lira. Mais là, vous n'obligez pas la personne à lire la chose. Par contre, si vous la mettez en plein milieu du rapport et que c'est un truc hyper barbant, ça peut vous causer des petits points en moins parce que un prof qui lit et qui s'ennuie, c'est pas forcément synonyme d'une bonne note. Du coup, voilà, je pense avoir été le plus clair possible sur le rapport de stage. J'espère que cette partie vous a plu, que vous avez appris énormément de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et maintenant, je vais entamer la deuxième partie que vous allez sûrement voir dans une autre vidéo.